Alors les nuits du Fort de Comboire, le festival des nuits du Fort de Comboire, c'est un moment culturel qui est proposé pour mettre en valeur le patrimoine que vous voyez là, qui est le fort, qui est réparé toute l'année durant, depuis 8 ans, par une association qui s'appelle les Amis du Fort de Comboire. Et nous, en tant que compagnie, au niveau de Black Dog Productions, on a fait cette proposition de faire un festival fin juin pour permettre de mettre en valeur ce lieu, qui est un lieu patrimonial, de créer un temps de rencontre, un temps de rencontre sociale, et de faire une proposition culturelle. Oui, on associe des acteurs locaux, c'est même la raison d'être du festival. Le festival, c'est pas juste un moment culturel, c'est un moment de culture, parce que la culture, elle permet de rapprocher les gens. Donc c'est un moment de culture pour permettre à plein de gens de se rencontrer, alors le public et les artistes, mais aussi on travaille, là par exemple aujourd'hui, on a des jeunes qui viennent de l'école de l'Impro, qui font de l'insertion professionnelle, donc à clé. On a travaillé aussi avec les ateliers Marianne, qui ont proposé, à qui j'ai demandé de faire la scénographie, de travailler sur la scénographie, les costumes, parce qu'il y a toujours un thème sur le festival. Donc là aussi, c'est de l'insertion à Pont-de-Clé, les ateliers Marianne, c'est relativement connu. Et on a vocation à travailler aussi avec plein d'acteurs locaux, des producteurs, etc. On est sur la première année, donc on monte tout doucement en progression, comme ça, mais on a vraiment on a envie de faire partager ça au plus grand nombre. Alors le fonds de participation nous a beaucoup aidé parce que c'est la première année qu'on organise ce festival. Et en fait, c'est très compliqué de faire quelque chose ici parce qu'on est sur un lieu patrimonial où il y a tout un dossier de sécurité qui a dû être mis en place, avec des surcoûts à la sécurité notamment. On a dû mettre en place un parking relais avec une navette, tout ça coûte très cher. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses et on n'avait pas vraiment les épaules pour réussir à monter ça tout seul. Donc sans le fonds de participation, cette manifestation, elle aurait été difficile à monter. Alors la dimension intercommunale du projet, elle est énorme parce que nous, on est une compagnie grenobloise, vous avez une compagnie qui vient de Pont-de-Clé, une compagnie amateur de Pont-de-Clé, vous avez l'association des Amis du Fort de Comboire qui est clexoise, vous avez les écoles de Clé, il y a les cartes blanches qui sont données, c'est pour ça qu'on fait cette manifestation fin juin, c'est pour pouvoir donner une opportunité à des associations ou à des écoles de venir présenter quelque chose de culturel. Donc c'est pour ça que c'est proposé au mois de juin. Et donc on lance ça. Donc là, cette année, il y avait l'école de Malivert de Clé, l'école de Pont-Rouge de Clé. Et puis on espère qu'il y aura l'école de musique intercommunale, qui est plein d'acteurs qui viennent à ce moment-là venir présenter tout ce qu'ils ont de culturel à un public le plus large possible.